Le voyage commence ici. Ça va aller, ça va rentrer. Tu m'avais dit que je pouvais emmener des fringues. Ouais. Alors j'ai fait. D'accord. Là, ça va rentrer. Oui. 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 Voilà, c'est ça, ça va rentrer. C'est de sortir. C'est déjà bien plein, non? C'est ça. Il y a moyen de mettre encore un petit peu. On est large. Alors encore, les pantalons, ça pousse. Ça pousse bien cette année. Hein. C'est bon, on est parti. Tu vas voir le bateau, il va partir de lui-même. Oui. Il reste devant. Il y a combien de temps d'ici? Au revoir. Je vais mettre un petit message pour Philippe, regarde la caméra, on s'en va. Bye bye. Allez, allez. Allez, on y est, c'est bon, parfait. C'est good. Eh ben écoute, les voiles sont sorties. On va faire ce que tu préfères. Éteins le moteur. Allez. Oh, yeah. Attends, on est en marche avant pleine encore. On est au point, non, madame? Yeah, oh yeah, yeah, oh yeah. Allez, c'est bon là. Merci. Ah. Viol. On met peut-être dans le générateur. Oui, tu peux, oui. Oh, non, c'est celui de droite. Ah oui. Super. Parfait, madame. Électrique, peut-être. Hein. Voici la voile. Ouais, électrique, tu peux les mettre avec les jumelles, comme d'habitude. Oui, tu peux sortir beau, maintenant. Allez. Tu peux revenir avec nous. Au revoir, 5 et. Salut. Salut. À la revoyure. See you later. Oui, Ruiz, viens avec nous quand même. C'est bon, il n'y a plus de cordes à tirer. On ne va plus faire du mal. On ne va plus faire du mal. Oh, oui. Ma chérie. Tu me prépares quoi? C'est quoi? Un brownie chocolat banane. Mmh. Ça va être pas mal, hein? Ça, c'est comme à la maison, quoi. C'est trop génial. Bon, il y a que la balance. Ah, la balance, balance, ça marche pas dans un bateau. Ça ne marche pas. C'est quoi ça? C'est des cuillères pour la balance marche pas. D'accord. Et ça tient à quoi? À la remplacer quoi? À mesurer. D'accord. À mesurer, c'est des cuillères mesureuses quoi. D'accord. Tu vois? Ok. Tu vois l'idée? Je vois l'idée. Ça permet de bien aider. Tu montes tes cuillères? Ok. Elles sont toutes neuves. Acheté spécialement pour le voyage, en son expérience qui rentre.
Ouais, c'est ça. Premier voyage, t'as compris que la balance ça marchait pas. Deuxième voyage, j'ai acheté des cuillères. Comme aux États-Unis, ils font comme ça. Voilà. Bon, maintenant, à quoi correspond une cuillère, j'en sais rien. Je veux te dire, il y a des pastilles de couleur. Bah, en fait, c'est une tasse, c'est mais par exemple, en farine, ouais. Je sais rien. D'accord. On va regarder. Je pense ça. Qu'on peut trouver les équivalents sur Internet. Oui. Merci Internet. On va trouver, merci Internet. On capte encore. C'est un problème. Aujourd'hui, on reste au port. On reste au port parce que on est en train de régler le problème de l'AIS, des antennes. Et puis, il y a un peu d'air dans le port. 27, 29, 30 nœuds dans le port d'Horoscope. On est bien là. Forcément, tout le monde est à l'arrêt aussi. Ah ouais, pour en faire, je vais Colette. On est allé chercher une antenne. Je vais poser juste ici en attendant, mais on va aller la mettre à l'arrière. Et en fait, c'est la petite antenne AIS qui est sur le côté ici. Qui nous a lâché. Et on a bien l'antenne de tête de main, mais il y a un mauvais repérage au niveau des câbles. Et je pensais me raccorder à l'antenne de tête de main quand je faisais mon échange, et en fait je me raccordais directement à la VHF, donc ça pouvait pas marcher. Voili voilou, tu remontes le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on a là? Une petite. Petite. Oh, c'est une petite. Bon, qu'est-ce qu'on fait à la mer? On va la balancer pour voir le canesse. Attends, on va enlever la petite. Ouais. Sinon, elle n'y revient. Sécurité, Anao, 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 c'est Morgan Calabar. Alors, regardez-vous. Morgan Calabar. Non, c'est trop bien ce que tu fais là. Trop bien, tu tiens une cape parfaitement. Bah, en plus là, c'est facile quoi. Bah oui. Super. Ouais, direction. Je sais plus où on va. Douarnenez. Alors, disons que tu sais où tu vas quand même, parce que. Tu connais pas de tentation, hein.
Voilà. Voilà, à tribord. Ouais. Attends, je rattrape les voiles. Ah, ah, vas-y, j'éteins. Ah, putain, la minérale. Il y a de la gîte. Prends la barre. Prends-moi la barre. Pourquoi là ça serait plus sale de prendre la barre alors? Parce que tu y as donné. Mais pourquoi c'est elle qui a la barre d'abord? J'adore. Qu'est-ce qui ferait que ce soit plus moi ou plus elle? Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Non mais par rapport à la mer. Il faut que tu prennes le stick. Tu sais où sont tes bouchons? Ah oui. Guy-Marie, j'ai pas le droit de mettre la barre. Là. Ah. Ouais, comme ça. On est obligé de faire des répétitions. Où sont tes... On peut mettre face au vent, on peut mettre la grande voile si vous voulez. On est du grand par là, oh là là, t'as une veille pour toi, cadeau. Mais pourquoi c'est le calabar? Parce que là c'est... J'ai le cul mouillé, Isabelle, ça gîte. Parce que si je suis comme ça là, par exemple, ça va par là-bas. Non, dans l'autre sens. C'est une pelle, dis-toi que c'est une pelle à l'arrière. C'est l'inverse d'une roue. C'est l'inverse des os. Voilà, petit bilan de cette semaine. C'est une semaine qu'on est parti maintenant. Finalement, un petit tour des copains, un petit tour de Bretagne. Bretagne Nord, Bretagne Ouest. Et puis on a décidé de faire Cap au Nord. Je vais s'arrêter à Bristol pour réparer notre AIS qui fait défaut. Qui nous embête, mais bon, on voit toujours quand même les bateaux largement à temps, les plaisanciers entre 2 et 5 000 nautiques avant et les cargos 10 000. Ça nous permet de ne pas se rencontrer, du moins de les éviter. Seulement dans la baie de Bristol, il n'y a aucun port qui ouvre quand les marées sont trop basses, les coefficients trop bas, et là c'est ce qui se passe. Donc notre rendez-vous de jeudi, on va voir si on loue une voiture sur place ou bien si on prend le bus ou si on reporte tout simplement. Et en attendant, on a décidé de commencer à monter au nord. Je ne sais même plus le nom de la ville où on va. En tout cas, on va se faire un petit mouillage. Se requinquer pour la semaine. Et puis, Morgane va réparer son bras. On va se reposer. Et puis, pour mieux repartir. Voilà les aventures. Donc, ça fait 36 heures qu'on est parti de Douarnenez. Et on est presque au nord du Pays de Galles. Et j'ai toujours les dauphins qui jouent autour de moi. Ça, c'est quand même génial. Hein. Bon, on n'a pas un magnifique coucher de soleil. Mais on a quand même énormément de chance d'être là.
Alors la mer d'Irlande, c'est comment ma grosse Rurux? C'est dur, hein. C'est dur la mer d'Irlande. Non, il fait pas beau, ne plaît pas. Il pleut tous les jours. Le ciel est moche, la mer est dégueulasse. Ne venez surtout pas. Irlande, Isleman, tout ça, c'est dangereux, les amis. C'est ça. J'ai entendu répéter pendant 6 mois. C'est pour ça. J'ai pas dormi pendant des nuits. Ah, on aperçoit l'Écosse tout devant. Droit devant les montagnes écossaises. Trop bien. On arrive. Les montagnes écossaises droit devant. L'île de Man à tribord. Et l'Irlande à bâbord. Matin, on est à Irlande, on est d'abord, au début de l'Écosse sur notre couloir, et les dauphins qui nous accompagnent dans ce que moi je reviens, c'est une petite famille, il y a des bébés, des adultes. La nuit a été plutôt calme, la mer tout autant. On n'a pas beaucoup avancé, mais au moins on est resté à la voile. On avait quand même l'avantage d'avoir une mer d'île. C'est joli. J'ai pas vu que ce soit pas trop bruyant, que les voiles ne claquent pas. C'est parti pour une nouvelle journée. Avec un peu de soleil en espoir. Des fois on aime bien mettre le moteur. Bateau bouge dans tous les sens. Les voiles claquent. On range, mais voilà. Parce qu'on a passé l'après-midi à plus de 25 nœuds vent arrière. Et puis là c'est tombé à 5 nœuds. Parce que notre vent de sud rencontre la dépression qu'on va aller chercher. Et du coup on a un petit bulle de vent, peu de vent. Et bien sûr on est à l'endroit où il y a des cailloux, il y a des courants. Donc le moteur s'impose. Donc ça fait du bruit, ça pue. Et ça bouge. Et il pleut. Enfin. Allez, je vous montre ça.
presque une belle lumière. On va laisser Irlande sur la gauche. La pluie. On va passer un petit coup de terre là-bas. On va voir dans la lumière. Cette nuit, on a décidé de longer les îles écossaises jusqu'à retrouver peut-être des débris d'intérieur, voire extérieur, mais le fichier météo n'étant pas fiable, en tout cas entre ce qu'ils annonçaient dans cet après-midi et ce qu'on a eu, on a 10 nœuds de vent supplémentaires, donc aller dans une dépression à 30-35, ça va, une dépression à 45-50, c'est pas la bonne chance. On se laisse toutes les options pour pouvoir s'arrêter dès qu'on peut, dès qu'on veut, dès qu'on en ressent le besoin. Et s'abriter de ce petit coup de vent. Cap au Nord, jeudi soir. Bonne fin. 4h30 du matin, le soleil se lève. Nous voici aux hébrides intérieurs. L'île de Mule. On va y faire une petite pause. Bien mérité. Ici c'est la navigation un peu. Plus marqué. On va sur le port de Tobermory. Fait que t'as de la rhubarbe à bord du bateau. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Il y a deux versions. Vous l'achetez dans le magasin. Mais bon, comme on dit dimanche, c'est que les magasins sont fermés. On a été manger à une ferme et il y en avait. Puis on a subtilisé quelques copains. On n'a pas volé, on a emprunté. On leur amènera une part. De clafoutis de main. C'est pour qu'ils goûtent nos gâteaux français. Et t'es fière de toi? Ouais, je suis contente, surtout j'aime bien. J'adore la rhubarbe. C'est surtout ça. Puis il n'y a pas de légumes ici, il n'y a pas de fruits. Je peux en acheter nulle part, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de paysans qui vendent des fruits. Bah, du coup, bah. Et tu vas nous faire quoi là? Un clafoutis, quand même pouvoir faire la compote parce qu'on en a largement assez.
Allez, aujourd'hui on quitte l'île de Mulle avec son petite ville de Tobermory. On a visité toute la partie nord hier à pied. Et là on va filer vers les Small Isles. Ce sont quatre petites îles un peu plus au nord, au sud de l'île de Skye, au nord de l'île de Mulle. Un petit peu de vent annoncé, c'est qu'en Bretagne c'est la tempête aujourd'hui, alors courage à tous. Nous ici on va avoir un petit peu d'air mais sans plus. On a le haut de la dépression qui nous amène un peu de nord dans le sud-ouest. Mais ça va être sympa. Donc petite navigation de 6 heures, 35 000 nautiques pour atteindre l'île de Egg, l'île de. Ah, j'ai oublié, non. Cana. Egg. Et pas de problème, c'est ça. Donc, quitte ce lac. En direction de Small Isles. Allez, bye bye. On est un peu sous les nuages aujourd'hui, un peu comme hier. On s'en va voir Cana, une deuxième île qui fait partie de l'archipel des Small Isles. On va contourner Rome avec toujours ces paysages montagneux dans les nuages tout autour de nous. Aujourd'hui c'est peu de vent, calme, la mer est plate, ça va. Petite navigation pépère, ça promet aujourd'hui. Allez, un petit tour de l'île de Cana. Là c'est l'île de Rome où on était hier, sur la côte ouest. Et là on est donc sur l'île de Cana. On va aller faire un petit mouillage bien sympathique. On est à Cannes. Une petite église, une petite plage. On va aller mouiller ici. Allez, on prend ces Cannes. Merveille. Et en plus, en prime, avec du soleil. Génial. Et voilà à Cannes. Un petit paradis là. On n'ose même pas parler fort, tellement c'est calme. On chuchote. On a vu des. On a vu des phoques. Je pense qu'on va aller les voir. Essayer de s'en approcher. Oh, j'ai l'air de
mais vraiment. C'est curieux, de toute façon. Il y en a deux. Ils sont autour de moi. Ils s'approchent tout doucement. Ils bougent pas. Ils sont tout autour de moi. Comment tu es tout près? Bon. On va voir de l'autre côté? Alors voilà, on a quitté Cana ce matin à 4h30 du matin. Et on monte vers Saint-Nové. Ce qu'on voit là, c'est la pointe ouest de l'île de Skye. On n'ira pas voir pour l'instant. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de touristes qui ne nous intéressent pas. Et on aperçoit, sous le nuage d'ailleurs, les zébrés d'extérieur. Et donc on va remonter les zébrés d'extérieur sur toute leur longueur jusqu'à quasiment la pointe nord. C'est la plus grande ville, entre guillemets, qui s'appelle Stornoway, auquel on va partir de là pour visiter les zébrés d'extérieur et puis attendre une fenêtre météo pour pouvoir monter aux zébrés. Qui devrait être jeudi ou vendredi. Une fenêtre météo favorable pour pouvoir monter. Ce matin c'est pétole. Il y a très très peu de vent, donc on est au moteur, au ralenti, mais au moteur, on se maintient avec quatre nœuds, on monte gentiment. Et puis là on a un peu de courant pour nous au niveau de la pointe, justement au niveau du cap. Donc on en profite. Et toujours sous le soleil, on vient de tomber des pulls là, ça y est, moi je suis en t-shirt. Il fait vraiment pas froid, c'est super agréable. Du tout envie de se baigner, c'est bourré de méduses. Il y a plein de méduses partout, partout, de toutes les sortes, de toutes les races. Hein. Là, ça va de la petite transparente, de la bleue violacée, des grosses oranges. Hein. Et là, là, ça y est, on a vu nos premiers macareux, nos phoques avant-hier,
Et aujourd'hui, on est encore sous le soleil. On est encore super chanceux. En t-shirt. Il est même très très chaud. Bon, pas de vent par contre, donc on est au moteur depuis ce matin. Mais on est quand même vachement chanceux. On a des paysages pouf. Un coup de souffle. Et du coup, on arrive ce soir à destination. Ma circulation prend un nouveau trajet. Ça va mieux ? Oui. Ça fait du bien ? Oui. On est pas mal. Tu retrouves ta voix ? Oui. Mes pieds sont courts. Je suis pas bon. Oh, c'est l'entraîne qui est un peu compliqué. Ouais, mais franchement, ça va. En fait, c'est trop bien. C'est sûr qu'en Bretagne, c'est bien. Bah oui. Non, on est bien là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Beaucoup de notre temps. Tu m'aurais dit que... On n'a même pas fait en Espagne. C'est vrai. Les enfants. Allez, au revoir les petits dauphins. Ouais, salut. Bonsoir à Stornoway. Bah écoutez, parti à 4h du matin ce matin, 4h à nuit. L'île de Canin, Nice No Lice. Arrivé ce soir à 21h à Stornoway, donc tout au nord des Hébrides extérieures. Alors c'est une ville qui, comme ça d'un premier abord, bon, voilà. Il y a du bruit, tu sens que ça bosse, un peu de carrière. C'est un cimetière qui fait face à la mer, des petites maisons mignonnettes, bon, sans plus. Une petite île à l'entrée du lac, qui a l'air habité aussi. Et puis on va essayer de se trouver une place dans le fond de ce lac. Il y aura une marina. Alors bien connue des voyageurs qui montent dans le nord. Nous qu'on ne connaît pas encore, qui est quand même en fait l'arrêt connu entre les dernières terres d'Écosse et puis monter vers les Féroé ou l'Islande. Donc on va aller voir ça, on va essayer de trouver une petite place, alors, soit au port, soit au mouillage, soit à l'ancre. Ah oui, c'est bon, on va bien voir.
can't do nothing with ya. I can't do nothing with ya.